l'esprit, le Mag. Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de Femme Esprit le Mag. Je suis Mehdi, la rédactrice en chef. Alors, pour l'année 2014, plusieurs résolutions pour le magazine, dont celle de faire plus de vidéos avec des pensées inspirées, avec des coups de cœur, avec des choses que nous apprécions moins et sur lesquelles nous aimerions discuter avec vous. Le thème d'aujourd'hui, c'est réalité versus vérité. Alors, j'ai choisi ce thème parce qu'il me parle beaucoup et l'exemple que je vais prendre est un exemple personnel. Il y a quelques années, j'étais encore étudiante et j'ai eu mon permis de conduire et je voulais acheter une voiture de d'occasion. Et ne voilà-t-il pas que, priant pour le sujet, le Seigneur me met à cœur, non, mais dit, je veux te donner une voiture neuve. Une voiture neuve. Moi, nouvelle conductrice, je ne voyais absolument pas comment ça allait se faire. Je continue de prier, le Seigneur continue à mettre sur mon cœur qu'il veut me donner une voiture neuve. Je continue de prier, le Seigneur met sur mon cœur qu'il veut me donner une voiture neuve. Je ne vois pas comment c'est possible, je ne vois pas comment je vais faire, je ne vois pas qui va me donner l'argent. Et surtout, je suis étudiante, on ne m'accordera pas de prêt pour acheter une voiture neuve. Alors, j'ai continué à prier, j'en ai parlé autour de moi et les gens se moquaient un peu de moi. Ils disaient « Ah, mademoiselle Mehdi, tu as la foi, Mehdi, tu as la foi, Mehdi, tu as la foi. » Et moi, j'ai continué à prier. Bon, j'avoue que je doutais de temps en temps de la véracité de ce que le Seigneur me mettait à cœur. Mais j'ai persévéré, j'ai continué à prier. Je me suis acheté un prospectus de voiture parce que c'était une Toyota Yaris que j'ai acheté à l'époque, hein. Et je priais sur mon prospectus tous les matins avant d'aller à l'école. Je disais merci Seigneur pour la voiture, merci pour cette voiture neuve et tout. Mais de temps en temps, je revenais vers le Seigneur en disant Seigneur, tu es sûr que tu veux me donner une voiture neuve? Tu sais, j'ai un peu d'économie, mais vraiment plus de 10 000 euros pour acheter la voiture. J'ai vraiment pas les moyens. Mais je me suis attachée à ce que le Seigneur me disait. Et ne voilà-t-il pas qu'un jour, je reçois un appel téléphonique. Que dit cet appel? Allô, Mehdi, oui, en fait, j'appelle parce que j'ai su que tu voulais acheter une voiture et le Seigneur m'a mis à cœur de compléter tes économies pour que tu puisses t'acheter une voiture neuve. Ah! Vous imaginez mon état. Je criais dans toute la maison. J'y croyais pas. Une semaine après, l'argent était viré sur mon compte. Je me suis rendue chez le concessionnaire. Et quand j'ai choisi ma voiture, il m'a dit « Alors mademoiselle, que nous faisons? Nous faisons un prêt? Comment ça se passe ?» Et là j'ai dit « Non, je ne fais pas de prêt, je la paye cash la voiture. » Et jusqu'à maintenant, 10 ans, non même pas 10 ans, 11 ans plus tard, ma voiture marche toujours très bien. Les bénédictions de l'Éternel ne sont suivies d'aucun chagrin, n'est-ce pas? Aucun problème majeur avec ma voiture. Et j'ai été pour voir les nouveaux modèles au garage Toyota et 11 ans après, le vendeur qui m'a vendu la voiture se rappelle de moi. Il me dit, c'est vous qui avez acheté la voiture cash? Je dis, oui, c'est bien moi. Mais je voulais vous encourager aujourd'hui par le fait que Dieu travaille des fois dans le secret. Quand je priais pour avoir cette voiture neuve, quand je me tenais dans la foi, parce que la Bible dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration. Des choses qu'on ne voit pas. Quand j'espérais et quand je démontrais en disant aux autres que oui, je vais avoir une voiture neuve. Oui, Dieu a dit qu'il va me donner une voiture neuve. Personne ne me croyait. Même moi, je ne voyais pas comment le Seigneur allait faire les choses. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira. Et franchement, je l'ai expérimenté au travers de ce petit épisode de ma vie. Et je vais encourager toutes celles qui regardent cette vidéo à croire en ce que Dieu dit. S'il dit une chose, il l'accomplira. Peu importe le temps que ça prend, Dieu est fidèle. Il est fidèle et il l'accomplira. Donc, ne soyez pas distraite par tout ce qui peut se passer, tout ce qui peut arriver autour de vous pour vous faire croire que non, vous vous trompez. Moi aussi, je n'avais pas l'argent
Moi aussi, je ne voyais pas qui allait me donner le complément pour acheter cette voiture neuve. Moi aussi, j'étais jeune dans la foi à l'époque, hein. J'arrivais vraiment dans le Seigneur. Je ne voyais pas comment j'allais faire pour acheter cette voiture. Donc, d'autant plus que j'étais étudiante et que dans l'église où j'allais, personne n'avait jamais eu de voiture neuve. Eh bien, je fus la première, grâce à mon Dieu et grâce au fait que j'ai cru en lui. J'ai cru en la vérité au lieu de la réalité qui me disait: tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas faire de prêt et tu es étudiante. Donc si Dieu vous a dit quelque chose, quel que soit le temps que ça prendra, faites confiance à Dieu, il est fidèle. C'était la petite pensée inspirée d'aujourd'hui, le petit témoignage. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine sur la chaîne YouTube de Femmes Esprit Le Braque. Au revoir.